Yeah.
Ils sont la preuve vivante qu'il faut lutter, et eux ils l'ont fait. Ils l'ont fait au péril de la vie de nombreux Espagnols pour obtenir la liberté. Ces libertés en ce moment, elles seront mises en cause par différentes lois liberticides. On continuera, tous ceux qui sont là, je le sais, à dénoncer et à lutter contre ces lois. Du chômage, de l'insécurité, voire du terrorisme. En faire un bouc émissaire de crise sociale. Bref, faire de l'inégalité entre les êtres humains un principe.
Penser que la fermeture des frontières est préférable à l'échange, aux passerelles, à la solidarité, ce sont malheureusement des idées partagées par beaucoup de nos concitoyens. Cela fait trop longtemps que l'extrême droite a réussi à imposer ces thèmes de prédilection que sont l'immigration, la laïcité, l'islam, la préférence nationale. Aujourd'hui, ces idées sont d'ailleurs au centre de l'agenda politique et pire aujourd'hui, l'extrême droite a désormais réussi à banaliser une partie des réponses qu'elle prétend apporter à ces questions. Ainsi, des lois liberticides ont vu le jour. De la loi à la sécurité globale, à la loi sur le séparatisme, en passant par la chasse à l'islamo-gauchisme et la suppression de l'observatoire de la laïcité, ce quinquennat accumule les gages à la destination de l'extrême droite. En reprenant ces éléments de langage, mais aussi certaines de ses propositions. Sous couvert de la République, on se cristallise sur des questions identitaires qui viennent combler le vide, un vide qui, dans le discours, entoure les questions sociales. Mais vous le savez, on ne combat pas l'extrême droite en le singeant, en empruntant ses codes et ses sujets. On la combat, comme aujourd'hui, en montrant et démontrant l'ineptie de ses dogmes, de ses idées, de ses thèses. Nous vivons dans un monde complexe, souvent âpre à vivre, fréquemment difficile à comprendre, un monde qui de plus en plus souvent renvoie ses habitants à leur isolement, leur désarroi, leur impuissance. De fait, l'économie mondialisée, les constructions sociales et les déconstructions portées par le chômage, les formes de précarité, les bouleversements et les tumultes du monde peuvent légitimement faire peur. C'est alors que les VRP de la haine frappent à la porte pour prétendre que le monde est finalement assez simple. Il suffit d'en exclure telle ou telle partie de la population, profiteuse ou moins méritante, bref, des pas comme nous, pour que le monde redevienne comme un monde d'avant fantasmé, un monde simple et apaisé. Comme tous les contes de fées, celui-ci peut en tenter certains. Mais comme tous les contes de fées, il n'a aucun rapport avec la réalité. La vérité est aux antipodes, elle consiste à rappeler et rappeler aux autres que le progrès, les avancées sociales et démocratiques ne se sont jamais appuyées sur l'exclusion, mais au contraire, sur la construction du droit pour tous et pour tous, des droits universels. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, mais c'est un combat quotidien, et la CFSU, que je représente, s'y est engagée depuis longtemps, et continuera au quotidien à combattre les idées nauséabondes de l'extrême droite, et les lois liberticides, en leur opposant les valeurs de justice sociale, de solidarité, d'égalité des chances, que nous sommes toutes et tous ici, que nous partageons en tout cas toutes et tous ici c'est aujourd'hui. Tout ça. Merci à merci vous. Merci de votre présence et de votre détermination à faire entendre le bruit des pantoufles plus fort que celui des bottes. Je parle au nom de l'Assemblée populaire d'Auxerre et nous avons choisi de partager avec vous les témoignages récents des dérives totalitaires de notre pays. En juin 2019, la Ligue des droits de l'homme publie un rapport concluant que les autorités se livrent à un harcèlement contre les opposants au site d'enfouissement de Bure, destiné à criminaliser leur position et leur manifestation et qui a pour effet de porter atteinte aux libertés individuelles. Ce rapport repose sur les observations directes d'un observateur et une cinquantaine de témoignages dont voici quelques exemples. Les gendarmes passent toutes les 10 minutes devant la maison, photographiant, filmant les personnes, les plaques d'immatriculation, les véhicules, d'où l'exaspération des villageois, des opposants et des soutiens. C'est un village en état de guerre permanent. Lors d'une semaine d'atelier, en septembre 2018, les contrôles d'identité étaient systématiques sur toutes les départementales alentour. Des fourgons, des jeeps, des motards de la gendarmerie, des gendarmes, partout, contrôlant. Tous les véhicules, les passagers, ouvrant les coffres, etc. Christine B. Durant l'année 2019, j'ai été une à trois fois par mois en vérification d'identité à divers commissariats de la région. Parfois, on se faisait contrôler juste devant la porte de notre logement. Parfois, les gendarmes tentaient d'entrer dans le jardin pour nous contrôler ou rentraient dans le bâtiment. Lors d'un contrôle en voiture, les gendarmes mobiles sont arrivés en face de nous et se sont déportés sur notre voie pour nous arrêter. Ils sont sortis de la voiture, armes à feu à la main, en nous braquant.
Le tout sans gyrophare ni signaux lumineux. Les gendarmes mobiles passent au ralenti environ 10 fois par jour devant chez moi. Ils regardent par la fenêtre de mon logement et parfois, la nuit, ils éclairent les vitres. Une fois, ils ont vu une personne entrer dans le bois de Lunéville. Ils ont donc envoyé 11 voitures pour traquer cette personne afin de la contrôler. De temps en temps, quand on se balade, les gendarmes viennent à côté de nous, roulent à la même vitesse que nous et nous posent des questions. Et si on ne répond pas à leurs questions, ou si des réponses ne leur conviennent pas, on se fait emmener pour un contrôle d'identité. Une personne s'est fait contrôler juste devant la maison. Elle était assise au soleil et recousait un vêtement. Lors du contrôle, les gendarmes ont pris le nécessaire à couture et ne lui ont jamais rendu. Une habitante de Mandres-en-Barrois. La répression violente qui se livre à Bure, qui s'est livrée dans les quartiers, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou contre les Gilets jaunes, n'est qu'un laboratoire d'expérimentation pour tester en conditions les meilleures méthodes pour museler toute forme de contestation et d'opposition dans notre pays. Ces expérimentations sont ensuite adoptées sous forme de loi. Dernièrement, la loi sécurité globale, dont la mise en œuvre a violé le principe de séparation des pouvoirs et qui menace donc grave dangereusement les principes de notre démocratie, alors même que le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur ce point. Les éléments d'un contrôle global, massif et systématisé de la population sont mis en œuvre au motif d'un sentiment d'insécurité de la population alimenté par des chaînes d'information qui érigent les faits divers au rang d'information. Réduit à la valeur de nos données numériques, étiquetées de QR code, surveillées en temps réel par toujours plus de caméras, couplées avec la 5G et analysées par des intelligences artificielles prédictives, c'est le monde selon le totalitarisme néolibéral en place. Et nous ne voulons pas de ce monde. Nous refusons le totalitarisme sous toutes ses formes et nous continuerons de marcher pour revendiquer nos libertés. J'ajoute que, en continuité de cette mobilisation, et si les témoignages de Bure vous ont fait réagir, l'Assemblée populaire d'Auxerre souhaite monter un collectif de défense collective dans Lyon pour justement que nous puissions nous organiser collectivement, notamment quand les manifestations ne peuvent pas avoir lieu en centre-ville comme ça a été le cas pour la mobilisation de Sens et pour celle d'Auxerre, mais aussi pour aider les camarades qui pourraient être ennuyés par les autorités qui ont tendance à se sentir de plus en plus autorisées à nous empêcher de nous exprimer. Voilà, merci encore d'être venu subir la chaleur. Longtemps, ce fut une phrase emblématique prononcée par beaucoup de militants de gauche, mais si nous pensions que le risque de fascisme, que les idées d'extrême droite étaient globalement derrière nous après les tragédies du court XXe siècle. Nous conservions cette phrase pour mémoire et à destination des jeunes générations. Convaincus, comme nous l'étions, que nous avions fini avec la peste brune. Brecht, qui écrivit cette phrase, disait « Il est encore fécond, le ventre d'où a surgi la bête immonde ». Depuis plusieurs années, et plus encore aujourd'hui, l'alarme n'en finit pas de sonner. Les pires tendances réactionnaires se déchaînent, et l'on voit combien de nombreux médias y sont perméables. Violence verbale, violence physique, symbolique ou réelle, haineuse, raciste, antiféministe, xénophobe, homophobe, sont maintenant quotidiennes. Mais il n'y a pas que certains médias dans ce concert. La droite réactionnaire joue sa partie et les collusions entre elle et son extrême s'organisent ouvertement. La nébuleuse macroniste, quant à elle, a largement contribué tout récemment encore à la banalisation de l'extrême droite en voulant vider de leur sens émancipateur les mots république, le mot laïcité, en inventant le concept de séparatisme. C'est l'esprit de 1789, celui de 1793, qu'ils veulent voir disparaître. Le grand patronat, quant à lui, vient à l'aide. Par exemple, quand Denis Kessler, l'idéologue du MEDEF, dit vouloir tout rayer de ce qu'a apporté le CNR en 1945-46. La France n'est pas la seule concernée. Le national-libéralisme permet partout aux droites de se recomposer.
La liste est longue. Tout cela pour imposer comme légitime et seul possible les règles du capitalisme prédateur, prédateur des hommes, de la planète, des cultures, des peuples. Rappelons-nous que pour se maintenir, l'ordre capitaliste, quand il se sent menacé, car défaillant aux yeux des peuples, a toujours eu recours à un ordre brun. Il sait qu'ainsi, la rente, les privilèges, le capital seront protégés de toutes les révoltes sociales. Notre marche aujourd'hui, nos luttes syndicales, politiques, associatives, culturelles, contre les idées de l'extrême droite et pour défendre nos libertés, c'est la lutte de tous pour tous. Elle doit construire et devenir un rapport de force majoritaire pour une république sociale, fraternelle, solidaire, démocratique, écologique. Chacun, malgré nos différences, doit participer à la construction d'un nouveau bloc social et républicain. Et pour cela, réfléchissons bien à cette phrase d'Aragon quand il disait « Quand les blés sont sous la grêle, fou celui qui fait le délicat, fou celui qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. » Partout en France, en Europe, marchons tous ensemble et aujourd'hui, demain, creusons le sillon pour dénoncer ce renouveau du fascisme qui relève la tête et permettre que les consciences se réveillent. Je vous remercie. Je vais vous donner, Monsieur Z, porte-parole médiatique du RN. On va l'appeler Z parce qu'il a une simple, finalement, consonne. Monsieur Z a dit récemment, l'extrême droite n'existe pas. Il y a la France et les ennemis de la France. Alors aujourd'hui, Monsieur Z et vous tous, candidats du RN, si c'est nous les ennemis, vous en êtes le créateur funeste et monstrueux. Votre désir de pureté, de nation, de vraie république, de séparatisme et d'identité sont une insulte et une machine à exclure, à diaboliser, à fabriquer des boucs émissaires, tout désignés. Alors que toute cette violence est en train de se libérer insidieusement, avec l'assentiment et le tapis rouge ou marchepied électoraliste de nos gouvernants, et que l'impensable s'instille dans les esprits, nous clamons le mot résistance et fraternité. Vous dites « n'accueillons pas les exilés dans notre département », c'est sur votre acte. Nous répondons « accueillons-les et soyons à la hauteur du chemin qu'ils ont parcouru pour venir jusqu'à nous ». Vous dites « crise », nous répondons « cri ». Vous dites sécurité, nous répondons abrité. Vous dites peur, nous répondons confiance. Vous dites étranger, nous répondons altérité et cadeau. Vous véhiculez une fiction, nous essayons de véhiculer un réel. Je terminerai par une citation de Edgar Morin qui dit « Le propre de l'homme est de toujours espérer le meilleur et d'éloigner le pire. » Alors qu'en est-il de nos libertés quand on voit les lois sécuritaires, liberticides que notre gouvernement vote actuellement? Qu'en est-il de nos libertés quand celles et ceux qui subissent haine, discrimination, injustice sont aujourd'hui accusés de racisme et jetés en pâture par l'extrême droite? Qu'en est-il de l'égalité quand on voit les lois antisociales que concocte et que vote notre gouvernement actuel? Qu'en est-il de l'égalité quand on voit l'augmentation des inégalités économiques, sociales et environnementales dans notre pays et dans le monde, particulièrement avec la crise actuelle? Qu'en est-il de la fraternité dans un climat où le gouvernement, légitimement élu, souffle sur les braises de l'insécurité, sur un feu de vieux bois d'idées d'extrême droite nauséabondes? Qu'en est-il de la fraternité quand une bonne partie des médias nationaux, CNews et BFM en tête, attisent les braises de ce feu? Qu'en est-il de la fraternité quand les associations de solidarité, les citoyennes et les citoyens engagés pour les autres, se retrouvent mises en cause et montrées du doigt? Alors quand j'avais 15 ans, nous disions et collions des stickers « Touche pas à mon pote ». Nous chantions « La jeunesse emmerde le Front National ». Cela ne suffit plus aujourd'hui. Serrons-nous l'écoute, soyons solidaires, soyons inventifs, soyons fraternels et surtout soyons unis. Violence en marge de manifestation. Chaque jour, l'extrême droite brutalise notre pays. Chaque jour, un peu plus, ses représentants ont pignon sur rue, sont encensés dans certains médias et relayés massivement. Chaque jour, elle impose ses idées et son agenda dans les débats publics. Les extrêmes transforment les incompréhensions en haine, entretiennent la peur et le repli sur soi.
Je suis triste et je suis en colère. Racisme, xénophobie, violence, ce n'est pas ce projet de société que je veux pour mes enfants. Au quotidien, j'enseigne le respect, la coopération, le vivre ensemble. Dans mon engagement politique et avec vous tous, nous défendons les libertés, l'égalité. Nous pensons qu'il faut travailler sur le lien social, la prévention, permettre l'émancipation individuelle et collective. Je rajoute une chose qui m'inquiète énormément, c'est la crise écologique, la crise climatique qui va toucher les plus fragiles en France et dans le monde. La moitié des émissions de CO2 sont émises par 10% des plus riches. Il faut agir pour protéger les autres. Nous avons une responsabilité, nous, pays riches, vis-à-vis des pays pauvres. Sécheresse, inondation, famine, conflits armés, la paix civile est menacée. Nous devons nous mobiliser, nous rassembler, proposer des solutions. J'ai entendu tout à l'heure la petite musique qui disait bon, « le vote ne compte pas », mais j'appelle quand même au vote citoyen pour le 20 et le 27 mai contre le parti d'extrême droite. Et pour que nous construisions ensemble une société solidaire et écologiste. Saïd El Barkaoui. Silence radio dans les médias. Personne n'en parle. C'est comme si on l'assassinait une fois de plus. Saïd El Barkaoui a été tué intentionnellement le 20 mai 2018 à Mont-de-Marsan de plusieurs coups de couteau. Il a été tué sous les cris de Salah Rab. C'est donc un crime raciste. Imaginez le contraire. Tous les médias en parleraient. Là, personne ne parle de Saïd El Barkaoui à part les associations de Mont-de-Marsan. C'est là un exemple, il y en a plusieurs sans doute, mais un exemple éclatant de, effectivement, de ce que la presse veut montrer ou ne veut pas montrer et du fait que le racisme continue à tuer. Donc ce procès a lieu dans quelques jours, ça fait 3 ans déjà qu'il est mort, un meurtre abominable. Donc je vous demande d'avoir une pensée pour Saïd El Barkaoui et surtout si vous voyez sur Facebook qu'on parle de Saïd, faites-le vivre, faites vivre son histoire et partagez-la. Parce que là, effectivement, on l'enterre d'autant plus. Voilà. Donc, pensez à Saïd El Barkaoui. Donc voilà, Karine, on va parler du coup de balai social. En 2012, Marine Le Pen proposait un virage social, disparu depuis son discours. Il y aura une baisse de 20% de la TIP. Disparu ! Tous les salaires jusqu'à 1500 euros bénéficieront d'une augmentation de 200 euros. Disparu ! Le petit commerce seront défendus contre la grande distribution. Disparu ! La taxe d'habitation opaque sera intégrée à l'impôt sur le revenu. Disparu ! Un taux d'impôt sur les sociétés relevé à 34% pour les grosses entreprises. Disparu ! Élargir l'assiette des retraites aux revenus du capital. Disparu ! Vous en avez marre de vous faire plumer ? Est-ce que vous en avez marre de vous faire plumer ? Oui ! Est-ce que vous en avez marre de vous faire plumer ? Bon, et je pense que c'est extrêmement important, effectivement, avec tout ce qui se passe ces dernières semaines, d'être ensemble contre cette extrême droite qui, petit à petit, nous prive de nos droits les plus fondamentaux. Si quelqu'un veut reprendre la parole, bien sûr, le micro reste ouvert, mais sinon, on va se quitter puis se dire au revoir. On est toujours content de se voir, mais on aimerait bien ne plus se voir pour ces raisons-là. Et on sait très bien que ce ne sera pas demain, la veille, et qu'il faudra continuer à lutter tous ensemble. Comme on l'a fait aujourd'hui, je remercie toutes les associations politiques, les associations civiles, les syndicats, les 20 partis qui sont associés, et l'organisation pour cette journée qui devait exister dans Lyon, qui a existé à Sens, et comme l'a dit tout à l'heure la camarade, qui a existé dans 140 villes en France. Merci à vous.